Hey, salut tout le monde, c'est Tatan et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le Opel Blitz. Je crois que c'est ainsi. Bref, c'est le camion allemand de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour ça, il vous faut un coffre. J'ai pris un coffre piégé, c'est pas grave. Des boutons. Des trappes en bois. Du verre gris clair. Ou du verre normal. Bref, de l'andésite, de la dalle, de la laine noire, des planches de chêne, des escaliers en pierre, du grès poli, dalle en grès, escalier en grès, échelle et des barreaux. Sans oublier un petit truc, des cadres. Alors, pour ça, on va commencer par poser les roues. Donc alors, une. Vous espacez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, 6, 6 blocs. Au septième, vous mettez la roue. Vous espacez de 3. Vous en remettez une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous remettez un bloc. Donc alors là, on a nos roues. Ensuite, on va mettre 3 dalles ici, 3 autres ici, et on va venir rejoindre tout ça. Ensuite, à l'avant, vous mettez une dalle, puis 3. À l'arrière, vous laissez comme ça. Ensuite, vous posez les boutons pour faire l'axe des roues. Ensuite, juste derrière, enfin juste ici, enfin ici quoi, vous reposez deux dalles et sur celle-là, vous reposez une dalle. Et ça vous donne ça à la fin. Donc, alors, ensuite, vous posez 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et vous faites ça sur les 3 blocs qu'il y a ici. Enfin, pas sur cela comme ça, mais un bloc en moins, quoi. Ensuite, vous mettez une trappe ici, pour pas que je l'oublie. À l'arrière, comment ça se passe? Juste là, une dalle. Pour l'instant, on va faire la cabine, enfin l'habitacle. Ensuite, une dalle vers le haut, une autre ici. Un escalier comme ceci, juste là, ici, sur ce bloc, une dalle de chaque côté, juste derrière votre dalle, un escalier dans cette position, et au milieu, deux blocs. Et vous remettez une trappe plus un bouton. Ensuite, trois blocs. Un, non zut, un escalier à l'envers, un bouton un peu plus bas, ensuite ici vous remontez de 2, 2 blocs de verre ici, un ici et deux autres ici. Ensuite, vous mettez deux dalles et deux dalles. Et vous mettez vos trois trappes. Je crois qu'on a fini avec les trappes. J'en sais rien, je les garde quand même. Ensuite, on va faire maintenant ce qui est derrière. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en fous.
Bon. Alors, sur vos trois blocs, comme ça, vous allez combler le tout. Ici, vous allez en mettre un. Et deux blocs d'andésite. Je sais, ça fait pas très beau, mais c'est pas grave. Ça se verra pas. Et vous remettez deux blocs. Ensuite, vous remettez trois blocs d'andésite. Vous remontez de 1. Enfin, au-dessus, vous en mettez 5. Ici, une dalle. Derrière, une dalle. Une dalle vers le bas. Une vers le haut. Une vers le bas. Et deux coffres de chaque côté. Une vers le bas, une vers le haut, une vers le bas. Alors, l'avant, c'est fait. Ok. Ensuite, vous mettez 5 blocs. Enfin, vous refermez le tout. Après, vous espacez de 2 un bloc. Vous resp enfin, et là, dans le coin, vous remettez un bloc. Un bloc en espace de 2, un bloc. Ensuite, vous mettez des dalles en position haute. Et pour finir, à vous de choisir. Soit. Mais comme j'ai plus besoin de ça. Vous avez le choix. Soit entre faire comme ça. Enfin, je vais le faire entièrement. Vous recouvrez de grès poli au-dessus. Vous remettez un escalier. Vous espacez un escalier. Vous espacez un escalier. Vous espacez. Un escalier, vous espacez, un escalier, vous espacez, un escalier, vous espacez, un escalier. Vous mettez encore du grès poli ici, pas ici. Vous mettez des dalles pour reboucher les trous. Zut. Vous avez le choix, soit entre ça, soit alors avec des barreaux de fer. Faire le camion qui n'a pas la bâche. Je crois que j'ai cassé un truc. Non. Donc alors, voilà ce que ça donne avec le grès et voilà ce que ça va donner avec les barreaux. Alors, on fait ça une fois, on espace de 1, on le refait. On espace de 1. On remet un barreau puis 5 au-dessus. Et on repose un barreau. On espace de 1. On pose un barreau. Puis 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça donne avec les barreaux. Oupsi, j'ai oublié un truc. Et pour finir, on va mettre, enfin, on va faire des petits détails. Ok, alors vous allez mettre un cadre ici, un autre ici, deux boutons comme ceci. Vous faites pareil de chaque côté. Un bouton ici, un ici. Hop, et voilà. Ensuite, vous prenez vos échelles que vous allez mettre ici. Avant de dire que c'est terminé, vous mettez ici des dalles et ici des dalles. Ce qui va vous faire des petits sièges. Donc voilà, le Opel Bliss est terminé. Enfin, cela dépend comment vous le voulez, soit avec la bâche, soit avec la ferraille qui ressort. Bon. J'avoue, dans les deux, il fait beau. Mais bref, à vous de choisir. Donc sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine. Bye!